Aujourd'hui, Stéphane-Gilles Lalonde poursuit en cours Richard Lalonde pour deux raisons. Premièrement, l'ancien maire, lors d'une réunion, aurait tenu des propos désobligeants à son endroit. L'automne 2006, je travaillais très fort à obtenir les permis de construction pour entamer la construction. Les médecins voulaient avoir leur building le plus tôt possible. Et le maire, Richard Lalonde, m'a menacé que si moi, ou Marcel Guibord, ou Michel Lacasse, se présenter à la mairie ou quelques autres de mes amis que je n'allais jamais avoir mes permis de construction. Et le mur de la discorde s'est élevé encore plus haut. La municipalité, alors sous l'administration de Richard Lalonde, a entamé une poursuite contre Chamberlain Crossing, l'entreprise de Maître Lalonde, en raison de ce mur de soutien près du centre médical. Les élections de 2006, à mon opinion, c'est des élections qui ont été teintées. On n'a pas eu les élections qu'on aurait dû avoir en 2006 à cause de ces menaces-là. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés. Exactement. Qui autrement se seraient probablement présentés. Alors, quand vous voyez ça de cet angle-là, disons qu'il y en a qui l'ont peut-être digéré de travers en 2006. Et on dit, en 2010, on aura notre revanche. Et on arrive aux dernières élections municipales en octobre dernier, dans ce contexte de poursuites judiciaires entre plusieurs personnes influentes de la communauté. L'ancien maire Richard Lalonde prend sa retraite de la vie politique, mais appuie Pierre Charron à la course à la mairie. C'est Marcel Guibord qui l'emporte. Dernièrement, avec le fait qu'on avait sollicité l'aide de Maître Lalonde pour devenir l'avocat de la ville. Fait qu'il y en a qui ont trouvé ça, mais là... Si on parle d'une façon où on a agi d'une façon un peu gauche, mais ça c'en est une. Puis eux autres, ils se défendent en disant bien, on a invité tous les avocats de la municipalité à le faire dans le but de la transparence. Mais bon, il y en a qui voient ça et perçoivent ça de notre œil, évidemment. Je n'ai jamais proposé que M. Lalonde soit ici pour commencer. Ça l'aurait fait un peu spécial, n'est-ce pas? Surtout avec la controverse qu'on voyait. C'était tout simplement une demande qui a été faite à travers la ville pour avoir l'assurance que, contrairement à déjà, on ait tous les gens de la ville qui puissent y participer et non pas seulement un bureau. C'était le but du rapport interne demandé par la conseillère Diane Choinière, c'est-à-dire de recenser les bureaux d'avocats pour le contrat de la ville, un contrat donné à la même firme depuis des années. Dans ce rapport, le nom de Maître Lalonde apparaît comme conseiller juridique de la ville. Ce rapport, qui devait être un document de travail interne, s'est retrouvé entre les mains des journalistes. Et la controverse est repartie. Encore une fois, c'est toujours les sceptiques qui ont toujours dans leur esprit que chaque geste que l'on fait est toujours en fonction d'amener M. Lalonde ou d'amener... ceux qui étaient contre l'organisation passée, étant donné qu'on communiquait avec eux, qu'on allait les apporter avec nous dans la nouvelle organisation. Ce n'est pas le cas. Monsieur Campeau, soit comme membre d'un groupe ou individuellement... Certains citoyens étaient très mécontents quand le maire a tenté de faire abolir la période de questions. De plus, tous les conseillers n'avaient pas été consultés, ce qui a jeté un autre froid au sein du conseil. Finalement, la période de questions a été ramenée, mais pour un maximum de 30 minutes. Ça m'a surpris parce que j'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent « ben ils tentent de nous museler, puis on peut pas dire tout ce qu'on veut. » On cache absolument rien à personne. Je vois pas pour quelle raison quelqu'un dirait qu'on n'est pas transparent. Pour moi, on est plus transparent que ce qui a jamais eu existé ici depuis longtemps. M. Guibord lui-même, il l'a avoué un moment donné quand un citoyen lui demandait la question. Il a dit « ben quand vous avez pris telle décision, avez-vous consulté tous les membres du conseil? » Puis lui il a dit « ben quelques-uns, oui. » Puis là, finalement, à force d'être acculé au pied du mur, il dit « ben j'ai parlé à tous les nouveaux conseillers. » Fait que ça a fait un froid, évidemment. Il dit « ben là, les anciens conseillers disent « ben nous, on est exclus. » Cette crise ralentit les travaux du conseil. Le budget n'est pas encore adopté. Si beaucoup conviennent qu'il y a eu des erreurs, trop peu sont prêts à faire confiance. Pour résoudre cette tempête-là? Mm-hmm.
Je ne sais plus s'il y en a. Je ne sais plus, je ne sais plus. Certains conseillers disent déjà ne pas savoir s'ils termineront leur mandat.